Bonjour à tous, vous m'entendez? Alors, on va parler de Gutenberg aujourd'hui. Avant de commencer, donc, moi c'est Riyad, je suis développeur chez Automatic. J'habite en Algérie et je suis très content d'être avec vous aujourd'hui. C'est ma première conf du type, donc merci pour votre indulgence. Et je travaille sur le projet Gutenberg, je fais partie de l'équipe de développement. Donc avant de parler de Gutenberg en lui-même, on va parler de la création de contenu dans WordPress. Comment on crée du contenu finalement dans WordPress? Il y a différentes manières pour ajouter du contenu à un site web. On utilise d'abord la page de l'éditeur, la page qu'on connaît tous, avec l'éditeur TinyMCE, un titre, on rajoute un titre. Mais au sein de cet éditeur, on peut finalement utiliser différents trucs, différents concepts. Les metabox d'abord, c'est ces petites boîtes qu'on voit au-dessous de l'éditeur. Généralement, on utilise ça pour avoir du contenu structuré qu'on enregistre dans des posts méta. On utilise des plugins tels que ACF pour faire des trucs comme ça assez rapidement. On peut utiliser aussi des shortcodes dans l'éditeur. Alors, on les utilise un peu pour tout et n'importe quoi. En général, ils sont faits pour faire du contenu dynamique qui est généré à l'affichage de l'article. Mais les thèmes, on abuse aussi pour faire du layout, rajouter du multicolonne, des trucs du style. Donc, ces bouts de code, des fois, indéchiffrables. On utilise les embeds. C'est une fonctionnalité que tout utilisateur de WordPress ne connaît pas forcément, mais si on colle des liens dans l'éditeur, si c'est un lien Twitter, il est transformé en une sorte de bloc de tweet, ou si c'est un lien vers une vidéo YouTube, pareil. Donc ça, c'est une autre manière de rajouter du contenu. Et il y a aussi d'autres pages vers lesquelles on va pour créer du contenu dans un site web WordPress, notamment le customizer. Donc les thèmes, ils rajoutent différentes manières de rajouter du contenu dans la page d'accueil ou dans des pages de contact un peu spéciales. Et ils font ça en rajoutant des boîtes à remplir dans le customizer ou dans des pages spécifiques d'options de thème. Et au sein du customizer, on peut aussi utiliser des widgets. C'est des petits blocs de contenu qu'on rajoute à des sidebars ou des headers ou des trucs comme ça. Ils peuvent contenir aussi du contenu statique comme du contenu dynamique. Et la dernière chose, c'est les menus. Pareil que les widgets, il y a des emplacements spécifiques à ces menus définis par les thèmes et on va naviguer dans une autre page différente de WordPress pour créer ces menus et les ajouter finalement à son site web. Alors si on est habitué à WordPress, on trouve ça finalement assez facile, assez évident. On sait qu'il faut naviguer les widgets, les menus. Mais si on regarde bien, tous ces concepts sont assez similaires au final. C'est des blocs de contenu, peut être statique ou dynamique. On peut rajouter au sein d'un article, au sein du contenu, ou dans des sidebars, ou dans des headers. Donc ça, c'est une des idées principales derrière la création de Gutenberg. Pourquoi Gutenberg? C'est là qu'on arrive à une idée principale, c'est d'apporter un peu plus de cohérence à la création de contenu dans WordPress de façon à permettre à plus d'utilisateurs de maîtriser la création, de rajouter la création. Un utilisateur qui a besoin de rajouter du contenu à son site web n'a pas besoin de savoir qu'il faut naviguer à telle page, ensuite aller dans le customizer, ensuite pour ajouter sur la sidebar, il faut rajouter un widget, ou pour ajouter dans le contenu, il faut aller dans la page. Donc ça, c'est une des idées principales derrière Gutenberg. Une autre idée que Gutenberg entend résoudre, c'est la découvrabilité. Je ne suis pas sûr que ce mot existe, mais c'est l'idée de permettre de découvrir tout ce que l'éditeur peut faire assez facilement. Je ne sais pas vous, mais moi personnellement, je ne connaissais pas les embeds il n'y a pas si longtemps. Donc, j'ai découvert qu'on pouvait faire des liens dans WordPress il n'y a pas très très longtemps. Mais je pense qu'il y a beaucoup d'utilisateurs de WordPress qui sont dans le même cas, mais je peux me tromper. Un autre point important, c'est l'adaptabilité. C'est-à-dire que l'éditeur qu'on a actuellement dans WordPress, il existe depuis une dizaine d'années à peu près. Et pendant ces 10 ans, le web a évolué d'une manière phénoménale. Déjà, on consomme principalement du contenu à partir du mobile actuellement. Et les attentes des utilisateurs ont finalement changé. Les utilisateurs finaux, ils s'attendent à avoir du contenu riche, des headers, des sliders, des liens vers des tweets, des vidéos. Donc,
L'éditeur, si on veut créer ces contenus riches avec l'éditeur actuel, finalement, il faut ou bien avoir une dizaine ou une vingtaine de plugins pour pouvoir faire tous ces trucs-là, ou bien maîtriser le code HTML. On se retrouve souvent à aller vers le code éditeur et modifier le code nous-mêmes. Donc, une évolution de l'éditeur est nécessaire. Un autre point important dans Gutenberg, c'est la sémantique. C'est-à-dire que pour... L'accessibilité est quelque chose de très important. Donc, si on rajoute de la sémantique au contenu, ça va nous permettre d'analyser ce contenu et de produire du contenu accessible plus facilement. Alors que quand on utilise un seul blob de contenu, finalement, c'est très difficile de savoir séparer qu'est-ce qui est titre, qu'est-ce qui est texte, qu'est-ce qui est image, qu'est-ce qui doit être mis en valeur, etc. Donc ça, c'est très important dans Gutenberg. Et bien sûr, la nouvelle concurrence, point très important. Récemment, il y a eu des sites qui sont apparus et qui gagnent en popularité, et souvent c'est des sites propriétaires. Je peux citer Wix, Squarespace, des trucs comme ça. Et WordPress ne peut pas se permettre de laisser ces sites web finalement très innovants prendre plus d'utilisateurs, et on a besoin d'alternatives open source. Et WordPress doit évoluer pour justement concurrencer ces sites dont nombreux sont ceux qui pensent qu'ils sont faits au fait pour des sites simples où finalement on n'a pas besoin de personnalisation avancée, etc. Mais c'est une idée pas très juste, puisque Wix Code, par exemple, peut faire exactement ce que peut faire WordPress avec des custom post types, etc. Donc, c'est pas seulement pour concurrencer les blogs et les sites simples. Voilà. Donc, comment on résout ça? Grâce aux blocs. Donc, tous ces blocs que vous voyez. Qu'est-ce qu'un bloc? Donc, un bloc, ça va devenir l'unité de base pour créer du contenu dans WordPress. N'importe quel endroit dans WordPress, pour ajouter du contenu, ça sera un bloc. Alors, le bloc peut avoir un contenu statique, c'est-à-dire qu'il peut être enregistré en HTML statique dans la page ou dans le post-content, et il peut être dynamique, c'est-à-dire que son contenu évolue avec le temps et il est généré pendant l'affichage de l'article en question. Il peut être structuré ou pas, c'est-à-dire que si on a besoin de requêter des informations séparément, on peut décider d'enregistrer le contenu d'un bloc dans des posts méta. Et par contre, si c'est juste du contenu statique, on peut le laisser dans le post-content. Un bloc peut être conteneur ou contenu. Ça veut dire concrètement qu'un bloc peut contenir d'autres blocs pour permettre des layouts un peu plus compliqués grâce à des colonnes ou des trucs avancés comme ça. Un point important, c'est l'édition visuelle. Ça, c'est un point très important comparé au shortcode, par exemple, où des fois, on insère un shortcode, on passe le contenu à un collègue, etc. Il ne sait pas forcément ce que fait ce shortcode. Il a besoin de naviguer entre le preview et l'éditeur pour avoir une idée précise de ce que ça fait. Alors que le bloc, un concept principal, c'est que l'édition d'un bloc doit se faire de manière visuelle, de manière à avoir directement, sans besoin d'aller vers le preview, le résultat final ou quelque chose qui s'en rapproche. Un bloc est aussi agnostique au contexte, c'est-à-dire qu'il peut être utilisé dans le post-content, dans le contenu d'un article ou d'une page, mais il est autonome, c'est-à-dire il peut être aussi utilisé dans des sidebars ou des headers ou un peu partout dans l'affichage d'un site web. Et un point important, c'est qu'il doit être unopinionated, je ne sais pas comment on dit en français, non, sans opinion, c'est-à-dire qu'il va fournir les styles de base pour qu'ils soient affichés correctement, mais il va laisser le champ libre au thème pour personnaliser l'affichage et la présentation de ces blocs. Donc ça, c'est la définition d'un bloc. Comment cette notion de bloc va arriver dans WordPress? Elle va arriver en trois étapes. Donc la première étape, c'est le post-editor, c'est-à-dire qu'on va prendre le contenu d'un article et le contenu d'une page, on va changer le tiny MCE qu'on connaît tous, et on va ajouter la possibilité de rajouter des blocs. Et donc ça, c'est l'étape sur laquelle on est et qui s'achève bientôt. Enfin, il ne s'achève pas, mais qui arrive à release bientôt. La seconde étape, c'est le page builder. C'est l'étape où on parle de customization aussi, des fois. C'est on va utiliser des blocs comme des widgets, finalement, dans le customizer pour rajouter des blocs dans les sidebars, des headers, des footers. Et la troisième et dernière étape, c'est que Gutenberg va devenir un site builder complet. C'est dans cette étape-là, les thèmes
seront simplifiées, c'est-à-dire qu'un thème se concentrera finalement sur le but d'un thème, c'est-à-dire la personnalisation, rajouter des style sheets et laisser tout ce qui est layout et tout ce qui est type de contenu, etc., aux blocs eux-mêmes. Donc voilà, sans trop tarder, on va faire une petite démo de Gutenberg. Je suis un peu courageux, j'espère que ça va marcher. Voilà. La vidéo là ? Non, le. Là. Tes ongles ? Ouais. En fait, la vidéo, c'était backup. Ah. Après, je ne sais pas comment tenir et manipuler en même temps. Parce que là, du coup, tu es en plein écran ici. Ah, ouais. Je peux pas l'avoir là. Ah, pardon. Mais c'est pas la peine de me faire plein écran alors. Juste. Je te mets à côté ? Ouais, mets-le là-bas. Et le dossier, il ne doit pas être loin. Donc c'est... Là aussi, tu as ton dossier. Voilà, c'est bon. Laisse-le ici. Parfait. Non, je te mets la souris là. Je peux utiliser ce micro ? Non, pas branché. D'accord. Ça serait bien. Désolé. Merci. Alors, on va... Donc, la première chose qui nous saute aux yeux, c'est tout ce Canva blanc tout, qui va nous permettre de rajouter nos blocs. On va commencer par rajouter un titre. Je vais vous parler de ma ville. Hein. Oran, la radieuse. Je sais pas si... C'est un peu difficile de parler et de voir en même temps. Hein. On va essayer de faire vite. Alors, la première chose qu'on peut faire, c'est copier du contenu de Google Docs. C'est quelque chose que beaucoup de personnes font. Donc, je vais prendre quelques paragraphes ici avec des titres. Hop, je reviens ici. Je colle mon contenu et on voit là que Gutenberg a créé trois blocs séparés. Voilà, ça c'est un bloc titre, des blocs paragraphes. On voit que chaque bloc a une barre d'outils ici. Donc chaque bloc définit les contrôles qui sont disponibles dans sa barre d'outils. Et si on veut des options avancées, on peut aller dans ce qu'on appelle l'inspecteur de blocs. Donc ici on peut voir d'autres options pour personnaliser le bloc de manière avancée. On va commencer par le bloc texte. On va prendre celui-là. On peut augmenter la taille ici du texte. Voilà, je suis content. Je mets un petit arrière-plan en rouge. On ne voit pas très bien. On voit qu'il y a un petit message ici qui nous dit « Ah, ce n'est pas très conforme aux règles d'accessibilité. Il faut mieux changer le contraste. » Donc là, on peut changer la couleur du texte. Voilà, le message a disparu, on est content. Je peux faire un truc comme ça. Voilà, là, c'est bien. Je suis content de mon texte. Je peux rajouter, et ça manque un peu d'image, je vais rajouter une petite galerie. Alors, je vais prendre trois photos ici que vous ne voyez pas, que je vais glisser directement ici. Et voilà, ça nous crée une petite galerie assez rapidement. Je peux l'afficher un peu plus grand comme ça, je pense. Ouais, ça me va bien comme ça. Quelque chose qu'on fait souvent aussi récemment, c'est les images de couverture. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter une autre image ici. Je peux utiliser le slash inserter. Si quelqu'un utilise le clavier souvent, je tape slash et en fait, j'ai une liste de blocs que je peux utiliser. Je tape cover image. Donc, j'ai l'image. Je vais drag and dropper une autre image. Hop. Je la mets ici. Rajoute du texte ici. Santa Cruz. En général, ce genre d'image, on met des background fixes, c'est-à-dire quand on scroll, ça a un petit effet sympa. Et je peux mettre en large, afficher large comme ça. Donc, ça commence à donner un truc plutôt pas mal. Donc, on va continuer, je vais rajouter une petite vidéo YouTube, un petit embed, je la copie d'ici, j'ai copié le lien. Et j'ai perdu la souris. Voilà. Voilà. Donc, je viens à la fin de mon article. Je peux ou bien utiliser le bloc YouTube qui est disponible, ou bien directement coller le lien si je suis habitué au fonctionnement des embeds. Donc voilà, j'ai directement ma vidéo qui est disponible ici. Alors, si je veux rajouter maintenant un truc qui n'est pas prévu par les blocs, je peux toujours faire du HTML, si ça me chante. Donc, faire un custom HTML. Voilà.
je vais faire un petit marquis. Sympa. Je sais que ouais, au rang, c'est bien, mais ici, c'est Paris. Ah, Paris, voilà. Je rajoute un nouveau bloc ici en bas, un séparateur. Hop. Et un petit texte que je rajoute maintenant à tous mes articles. Vous devez faire pareil, je pense. C'est propulsé par Gutenberg. Je centre tout ça. Vu que j'utilise dans tous mes articles, il vaut mieux que je l'enregistre, comme ça je ne perds pas de temps la prochaine fois. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur ces trois points et convert to reusable block, c'est-à-dire qu'il va être enregistré et que je pourrai utiliser dans d'autres articles si je veux. Et c'est faisable avec n'importe quel type de bloc. Donc là, je vais l'appeler Gutenberg. Si je navigue dans l'inserteur, maintenant c'est l'inserteur de bloc, et je vais dans Saved, vous voyez que j'ai déjà testé le truc, préparé ma présentation comme il faut. Voilà, si je le rajoute, il est deux fois ici. Alors, on a fini notre article, ça ressemble à quelque chose de bien, je pense. Je peux publier. Hop, publish. Ici, je peux faire des ajustements de dernière minute. Le plugin pour en rajouter des trucs ici aussi. Je publie et je peux voir mon article ici, voilà, qui ressemble à peu près à ce que j'ai fait. Donc, en 5 minutes, j'ai eu un article plutôt riche avec différents types de blocs, etc. Merci. Merci. Une autre fonctionnalité que je voulais vous montrer, c'est les templates. Donc, j'ai créé un plugin qui s'appelle GCF, mais c'est juste pour la démo, en fait, qui va nous permettre de contrôler l'affichage de Gutenberg. Donc, on va créer ce qu'on appelle des templates, des blocs templates. Donc là, je vais vous montrer un template que j'ai déjà créé. C'est finalement un template de livre. Si on va permettre aux utilisateurs, par exemple, de rajouter des livres, on va créer un template, on va mettre un titre, une description, qui est une text area, une image, et un prix, qui est un nombre. Et je l'ai assigné au post type page et j'ai forbid adding and remove, c'est-à-dire qu'on ne peut pas ajouter ou supprimer des blocs, c'est figé. L'utilisateur ne va que remplir le contenu de ce livre. Donc si maintenant je vais créer une page, oups, voilà. Vu que ce template il est assigné à la page, j'ai directement en fait la page qui est pré-remplie et l'utilisateur n'a plus qu'à remplir finalement ces différentes informations. Voilà pour la démo. Revenons à nos slides pour le moment maintenant. Hop. Alors finalement, Gutenberg, il est développé pour qui ? J'ai envie de dire pour tout le monde. D'abord pour les créateurs de contenu, les utilisateurs finaux. Ils pourront créer des contenus riches beaucoup plus facilement que ce qui est possible maintenant sans installer de plugin ou aller dans l'éditeur de code. Pour les agences, ça permet plus de contrôle ils peuvent définir des templates très précis que les utilisateurs finaux pourront remplir et du coup ils ne pourront pas faire n'importe quoi avec leur contenu de leurs articles. Ils pourront aussi choisir quel bloc autoriser ou pas s'ils veulent laisser l'ajout de blocs possible. Pour les créateurs de thèmes, c'est des thèmes plus simples, centrés sur la personnalisation, où on n'a plus besoin de rajouter finalement plein d'options de layout dans les thèmes, les thèmes où il faut une checklist, rajouter les features, etc. C'est plus le cas, maintenant on peut changer de thème si on veut, le thème s'occupera de l'affichage essentiellement, de la personnalisation. Pour les développeurs de plugins, là je vous invite à venir à mon atelier qui doit suivre cette conférence et dans lequel on va aborder certaines API disponibles avec Gutenberg. Mais la principale idée ici, c'est qu'au lieu de créer des widgets, des shortcodes et des metabox et des je ne sais pas quoi, on crée d'abord des blocs. Après, on a différentes API qui viennent autour, qui vont nous simplifier la vie.
Pour les développeurs core, alors Gutenberg, il est développé avec des technologies récentes telles que React, JavaScript, ES6, et j'en passe, Redux, etc. Donc ça va permettre en fait d'améliorer un peu cette image que WordPress traîne, qui est des technologies un peu vieillots, etc. Donc ça apportera peut-être de nouveaux contributeurs et ça améliorera grandement le DevEx, le Developer Experience pour les développeurs core. Pour les hébergeurs, c'est plus d'opportunités parce que l'idée, c'est de permettre à WordPress d'être plus utilisable à finalement beaucoup plus d'utilisateurs. Donc, plus d'opportunités pour les hébergeurs. Et avant de terminer, je tiens à revenir sur quelques idées reçues que je vois beaucoup sur Gutenberg. Donc, déjà, les thèmes sont compatibles par défaut. On n'a pas besoin de changer finalement son thème existant pour qu'il fonctionne avec Gutenberg. On peut faire quelques adaptations pour apporter des options en plus, notamment l'alignement large qu'on a vu, ou styler des blocs plus précisément. Mais par défaut, le thème fonctionnera très bien. Il est possible, si on n'est pas prêt pour Gutenberg, notamment si les utilisateurs finaux, c'est quand même un changement d'interface. C'est quand même un changement important au niveau de l'interface. Donc l'utilisateur, il faut qu'il soit préparé au changement. S'il n'est pas prêt à ce changement-là, on peut désactiver Gutenberg pour le moment et apporter enfin, cette évolution petit à petit. Il y a déjà un plugin qui permet de désactiver Gutenberg qui est déjà disponible. Et si vous l'installez maintenant, au moment de la mise à jour, Gutenberg n'apparaîtra pas. Gutenberg supporte les Metabox. ACF fonctionne correctement, par exemple. D'autres plugins qui utilisent Metabox, et que Yoast, etc., fonctionnent. Gutenberg sera l'éditeur par défaut de tous les custom post types et pas seulement si on active la REST API ou des trucs comme ça. Il y a des limitations actuellement, mais ça va changer. Gutenberg supporte les shortcodes. Alors, on préfère les remplacer avec des blocs parce que l'édition elle est visuelle, etc. Mais si on utilise les shortcodes, ils continueront à fonctionner comme il faut. Et l'accessibilité est un point très important pour Gutenberg depuis le début. Il y a deux points importants ici. C'est Gutenberg est développé pour être le plus accessible possible, mais aussi il va permettre de créer du contenu plus accessible grâce à la sémantique que j'ai expliquée plus tôt. Et Gutenberg ne remplace pas TinyMCE, il va l'utiliser. Donc les différents blocs qu'on a vus, chacun utilise TinyMCE à sa façon. Il y a d'autres idées reçues dont je voudrais parler. C'est par exemple le writing flow, c'est-à-dire quand on a tous ces blocs, on a peur, peut-être que moi, si je fais qu'écrire du texte, ça va changer. Gutenberg est très optimisé pour si vous utilisez le clavier essentiellement, si vous faites que taper du texte finalement pour les blogueurs, etc., ça va fonctionner correctement. Aussi le scope de Gutenberg, il y a eu des gens qui disaient au départ que le projet se concentrerait surtout sur la modification du bloc de contenu de TinyMCE, mais en fait ça n'a jamais été le cas. Depuis le début, Gutenberg s'est apporté cette notion de bloc dans WordPress, et la phase V1, depuis, si on veut voir les premiers mock-ups, ça a toujours été changer complètement la page d'édition d'articles et de pages. Et aussi, j'entends souvent que Gutenberg arrive trop vite, qu'il est développé trop vite. Alors, il faut savoir que les premiers mock-ups et les premières réflexions autour d'un bloc éditeur dans WordPress datent de plus de 3 ans maintenant, je pense. Et le développement, là, ça fait un peu plus d'une année qu'on a commencé le développement. Et le plugin, il est disponible depuis peut-être 8 mois ou quelque chose comme ça. Donc, je ne dirais pas qu'il arrive trop vite. C'est vrai que le rythme de développement, il est très élevé, et chose qu'on n'a peut-être pas vu avant, pas si souvent, en tout cas dans WordPress. Mais il n'arrive pas si vite que ça, Gutenberg, parce que WordPress, c'est un projet qui a peut-être 15 ans. Et si on change un éditeur en 1 an et demi, 2 ans, finalement, c'est pas si vite. Voilà. Donc, maintenant, vous, qu'est-ce que vous devez faire ? Première des choses, c'est installer et le tester pour vous faire votre propre opinion. Parce que c'est important de se faire sa propre opinion. Il y a plein d'articles sur le sujet, etc. Mais il n'y a pas mieux que d'installer et de tester soi-même. Alors, si on est une agence, faire un environnement de pré-production où il faut tester les sites actuels, je vous conseille de faire ça. Et si vous voulez aller un peu plus loin, créer des blocs et remonter les problèmes à l'équipe. Je vous ai mis quelques liens ici, notamment pour en savoir plus, la documentation technique, le plugin, mon plugin Gutenberg Custom Fields, si vous voulez faire des templates rapidement,
Et si vous voulez contribuer ou savoir en avance ce qui va arriver, etc., il y a la réunion hebdomadaire au niveau du Slack de WordPress sur le channel Core Editor le mercredi à 15h. Voilà, Gutenberg arrive avril-mai, en tout cas il est prévu en merge pour avril-mai. Et voilà, merci à vous.